Ouais, c'est cool hein, comme ouverture de vlog, de weekly vlog. Donc on est lundi, j'ai Chris à la sieste. Il est 10h15, j'ai installé, j'essaie de me créer mon coin vidéo là, hein, en fait, c'est dans mon salon. Voilà, je vais entrer, je mets comme ça. Et en fait, j'essaie de je me créer un petit mur là-bas derrière pour faire mes vidéos. Je pense que ça peut être pas mal avec mon spot niveau lumière. Voilà, donc il faut que je décore là. Peu. On voit pas le radiateur sur la vidéo, donc c'est nickel. Donc là, je vais tourner mes favoris du mois que vous aurez sûrement avant ce weekly vlog. Donc vous l'aurez vu avant. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo et à liker. Et après ça, on va dans 1 heure, je vais aller chercher Captel. Voilà. Et sinon, ce matin, j'ai quand même été efficace parce que j'ai fait 2 articles. Allez, je vais tourner. Tout à l'heure. Le bordel de fin de vidéo. Il y en a partout. Bon, bah maintenant faut ranger. Le côté moins cool. Qu'est-ce qu'il est beau ton avion? Petite fierté. Mes deux bébés dos à la route. Donc oui, Katel est dos à la route. Mais ça la dérange pas. Parce qu'en fait, ce siège, l'avantage, c'est qu'on peut le mettre face et dos. Et c'est elle qui réclame le dos à la route. Donc généralement, elle est comme ça. Et tu mets comment tes jambes, ma puce, aussi, quand t'as envie? Soit comme ça, voilà. Ou elle se met comme ça. T'es bien comme ça? Tu préfères être comment, de ce sens-là ou dans l'autre sens? Dans ce sens-là, hein, tu préfères. Ouais. Elle s'endort mieux comme ça, elle est mieux. Bon, là, l'autre, il a qu'une envie, c'est de sortir. Donc, faut que je le détache. Voilà, dès que je suis en cuisine, monsieur est forcément, voilà, et surempié. Bah oui, ça peut être un peu plus grand. Voilà, monsieur, c'est un goinfrin. Donc c'est très pratique pour cuisiner. Regardez, regardez, il va venir remettre ses pieds. Il cherche mes pieds en fait. Je me suis reculée, il cherche mes pieds. Monsieur a faim. Mais ouais, mais t'attendras que j'en ai fait à manger. À midi, steak haché, poisson pané, haricots verts et un reste de riz. Et regardez, voilà, voilà, il est venu et il est sur mes pieds. C'est ultra pas pratique du tout. Ah! J'ai rangé mon bureau. Pas mal, hein, le sac poubelle. En gros, mon sac poubelle, c'est le bordel que j'avais sur mon bureau, là-dedans. Voilà. Donc là, j'ai enlevé ma en imprimante que je vais mettre là-haut parce qu'elle est connectée en wifi, donc on n'a pas forcément besoin. Et en fait, j'ai qu'une envie, j'ai hâte, faut que je les cherche. Je veux mettre des étagères là, de la déco là au-dessus de mon bureau. Parce que ça fait ultra vide et ça m'énerve. Donc je pense que je vais me trouver des étagères pour mettre de la déco. Et voilà. Mais j'ai rangé, ça fait du bien. On y voit plus clair là-dedans. Papa, il a fait tourner la tête. L'enfant bourré. Il part à droite. Le bazar de fin de journée. Quand on a les enfants. Donc il est mort là-bas. Sympa, hein. J'en ai partout. Donc là, ça va être mission rangement pendant que Katel elle mange. Ouais, tu rigoles trop. Je prends seulement la caméra alors qu'on a déjà fait pas mal de choses ce matin avec mon chéri qui est encore pas bien, donc il est encore à la maison. On a été faire des courses à Lidl parce que demain je dois faire des crêpes avec Katel pour l'école. S'il y a des crêpes à amener jeudi, donc j'ai cherché de ne pas faire des crêpes. J'en ai profité, on a fait des courses pour tenir la semaine et à mon avis facilement la semaine prochaine aussi vu qu'on n'est que tous les deux.
Voilà, donc là, Chris est à la sieste. Moi, je vais me faire monter et je vais vous préparer la wishlist des 1 an de Christian qui sera sur le blog, quand vous verrez ce wikivlog, parce que je la sors jeudi 2 février. Voilà, et quoi d'autre à raconter? Rien. Rien de fou. Allez, c'est là. Alors là, en fait, Katel, elle joue à un jeu. Tu peux montrer à quel jeu tu joues, ma puce? Attends, c'est le glace, ça, pour faire une glace avec la boue. Tu peux sortir? Tu sors du jeu, on va montrer tous tes jeux. Attends. Alors, en fait, vous voyez, c'est le petit panda comme ça. Tous les jeux. Et il y en a plein, plein, plein de petits pandas. Babysitter, mon petit hôpital. Là, là. Le bébé. Ça, c'est YouTube Kids. C'est très bien. Ça, faudrait que je vous en parle sur le blog. Et là, en vidéo. Et il y en a encore. Voilà. Là, y a un... Et Pyjamax, il y a encore du petit panda. Encore un autre. Ouais. Et les Little Pets. Voilà. Mais elle joue surtout à ceux-là. Maman m'avait montré le jeu, docteur. Vas-y. Il faut rester sur les petits potes à cette téléphone, mais moi vraiment. Voilà, c'est les baby bus. Les. Tu mets pas devant. Oh. Toi, ça vient de péter. Ouais. J'y crois pas. On dit quoi? Cookshen. Elle s'est levée. Elle a pété. Regarde. Ouais. Il regardait la télé, grande télé, et elle a les yeux tout rouges. Alors il faut faire quoi? Il faut mettre de l'eau. Ouais, le sérum fille, il faut mettre les gouttes. Oui, les gouttes, c'est comme de l'eau à la télé. Regarde. Tu vois, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Ouais. Ah, ça va mieux. Et le temps, moi, je perds les yeux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse qu'on vous montre un peu tous ces jeux-là avec Katel. Il va manquer. Et on peut vous faire une vidéo où on filme, où on joue la film en train de jouer et elle vous explique quoi. Oh, là-bas, là, la zone. Tu prends quoi goûter, mon bébé? Oh, la compote dans le dans la squeeze gourde. Ouais. Comme un grand. Faut que tu penses à appuyer aussi, hein. Pas juste à aspirer, bébé. Ouais, comme un... Je suis au gymnase. Quand je fais du badge, j'ai pas mes lunettes. Donc là, je vais jouer. J'ai 2 matchs à jouer ce soir. Double dame, double mixte. Donc voilà, motivation du mardi soir. Ça va faire du bien de se défouler un peu. Allez, je vais vous montrer ma partenaire jouer un peu. J'aime quand tu rentres chez toi et que tu savais que tu allais être livré UPS, on est là, fait que je rentre de l'école et qu'en fait tu arrives et le colis il est devant ta porte. Super quoi. Heureusement qu'on est un peu dans un enfoncement et que ça reste pas grand chose, mais quand même quoi. Oui, il y a des bières là, c'est des restes. Pour moi, sont au frais. J'en ai pas encore parlé sur les réseaux, vite fait, dans mes lives Insta. Mais depuis lundi, je refais attention. J'ai piqué l'application Weight Watchers à ma maman pour essayer de dégommer ces 5 kilos qui me saoulent, que je n'arrive pas à perdre. Donc là, je me suis mis un vrai suivi. Ce qui fait que, au petit-déj ce matin, changement d'habitude, banane avec dedans 100 g de fromage blanc au fond et 30 g de muesli. Je me suis pris celui-là de chez Lidl, donc je vais le tester, je vais goûter. Donc voilà, changement d'habitude, au lieu de manger un peu n'importe comment le matin, on va se faire des vraies petites déj pour le midi tenir plus et moins grignoter sur la journée. Donc depuis lundi, c'est plutôt efficace, j'ai déjà perdu un kilo. Mais bon, l'objectif c'est lundi prochain quoi, c'est sur une semaine d'avoir de perdre sur une semaine. Et pas sur 2 jours, quoi. Voilà. Bon, allez.
Je vous tiendrai au courant dans mes weekly vlogs parce que je pense pas que ça vous intéresse plus que ça. Du moins, vu que j'ai pas une perte énorme et c'est pas le but de ma chaîne et de mon blog, je suis pas sûre que ça vous intéresse plus que ça de savoir combien je perds du poids et comment j'en perds. Donc je vous en tiendrai au courant ici et pas sur mes réseaux, je n'ai pas l'intérêt sur mes réseaux. Voilà, allez, je vais finir prendre mon petit déj et je vais aller faire un montage. Bisous tout le monde. Ça, c'est le bébé qui a scousé la sieste ce matin, qui s'est endormi dans la voiture et qui a même le transfert voiture-poussette. Là, je vais faire poussette-voiture. Je suis pas sûre de le réveiller en fait. Oui, je vais je vais l'installer. Fatigué bébé. Bon, bah même le transfert poussette-voiture, il a juste ronchonné, il s'est rendormi. Je crois que c'est bien une des premières fois où je peux faire un transfert comme ça, au moins deux, sans qu'il se réveille. Ça va toi? On va aller faire les crêpes tout à l'heure? Oui, mais d'abord la boîte à plastique, notre colorier et de notre chocolat. Ouais, on va faire la boîte à bonheur. Je savais qu'elle était fatiguée. Madame n'aurait pas dormi. Et vu comment elle râlait, ronchonnait, je savais qu'elle était mince. Et bien, ça n'a pas loupé, elle s'est endormie. Et je peux vous dire, c'est rare avec Catel. Je crois que ça faisait 2 semaines qu'elle n'avait pas voulu faire de sieste. Et je suis en mode comédie. C'est-à-dire que je ne peux pas poser. Vous voulez que j'essaye? Vous allez voir. Voilà. Voilà. Bonne soirée. Allez, j'attaque les crêpes pour l'école demain, pour la vente de crêpes demain après-midi. Je les amènerai demain matin. Je dois en faire 20. Ça va, je n'en ai pas non plus des tonnes à faire. Hier soir, Catel, elle a lu ce livre-là avec son papa. Et donc aujourd'hui, il fallait absolument que je trouve des boîtes pour faire les boîtes à bonheur. Et donc là, elle est en train de les décorer. Et si ça vous intéresse, on pourra vous en parler un peu plus sur le blog. Voilà. Donc elle décore sa boîte à bonheur. La bonne crêpe. Il va la démonter. Tu manges ? Ah, faut la manger la crêpe. Une tempête de sable. Mettez-vous à la. Mais dans la bouche. Va pas la mettre par terre. Bon, je crois qu'il en veut pas. C'est, je l'avais donné. Hein. Bon, j'en ai donné une grande pour le dessert normalement, mais je crois qu'il la veut pas. Bien, j'ai reçu les gâteaux que j'ai commandés sur le site votregâteau.fr. Vous aurez dit en barre d'infos. J'ai reçu les cupcakes pour l'anniversaire de mon bébé. Donc il y a 3 boîtes, donc il y a 27 cupcakes. Voilà, c'est des marbrés que j'ai choisis. Pour information, 27 cupcakes avec la photo, 74,90€ plus les frais de livraison. Donc environ 80 euros. Voilà. J'ai profité d'un bon que j'avais eu
pour tester et découvrir ça. Je ne sais pas si personnellement je le ferai à chaque fois, mais là c'était l'occasion d'avoir des cupcakes sympas pour l'anniversaire de mon bébé. Je suis trop contente, ça va claquer dimanche sur la table. Je viens de calculer la dotation que je vais avoir au total pour la série de concours que je mets en place à partir du 13 février. Donc rendez-vous à partir du 13 février sur le blog, ma page Facebook. Vous aurez le lien en barre d'infos, également mon Insta, mais il y en aura moins sur Instagram, des concours anniversaires pour les 4 ans du blog. J'ai une dotation de malade. Je ne m'en rendais pas compte en écrivant. Et si je m'en rendais compte, mais pas autant. J'ai, attention, 1600 euros de dotation pour vous à faire gagner sur ma page Facebook et sur mon Instagram. C'est rien que pour vous. Et comment vous dire que je suis trop contente de pouvoir vous gâter autant, parce que là c'est un truc de malade. Il y aura 21 concours normalement qui vont se dérouler donc sur 3 semaines à partir du 13 février. Alors, j'espère vraiment que ça vous plaira, que vous serez là, que vous allez participer, que vous allez partager et que vous serez également là après avec moi encore à nous suivre et que vous ne serez pas là que pour les concours non plus quand même. Voilà, je suis trop contente Sylvie. Voilà, c'était mon kiff du jour. Je suis trop contente. Colline qui va avoir le ton. Toi tu marches plus après hein. Coucou bébé. Qu'est-ce que tu manges? Des crêpes. Et elles viennent d'où ces crêpes? De l'école, de la vente de l'école. Oui, on a été les chercher tout à l'heure. Comment vous prouvez que ce transat est ultra stable? Qui est quand même plus facile pour aller attraper Doudou, Christian. Bon, j'aurais pas beaucoup filmé aujourd'hui parce que franchement, rien de bien passionnant sur la journée. Là, je suis posée sur le canapé, je regarde des Grey's Anatomy, j'attends 18h pour faire le bain des minous. Après, ça va être repas dodo et moi, ça va être... je sais pas encore. Ah si, j'ai le linge à faire et il faut que je commence à préparer le kit anniversaire de Christian. J'ai du découpage et du collage à faire. Voilà. Donc franchement, rien de pas bien passionnant à vous partager aujourd'hui. Allez. À demain sûrement, sauf si je refais un truc, mais ça m'étonnerait. Tu retournes ? Oui. J'ai simplement rien filmé aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien foutu et qu'il n'y avait rien d'intéressant à vous montrer à part le repas, la sieste et glandage.
rien à vous partager vraiment de top aujourd'hui. Là, il y a mes parents, mon frère, ma soeur et son chéri qui arrivent ce soir pour passer le week-end à la maison pour fêter l'anniversaire de Christian dimanche. Donc là, quand ils vont arriver, ça va être à manger. Apéro, sûrement. Manger et surtout, on va faire les courses avec ma maman sur le drive d'Auchan pour préparer tout ce qu'il nous faut pour dimanche, pour l'anniversaire de mon bébé. Voilà, et demain, ça va être journée gâteau. Voilà, ça va être top. Et demain soir, je vais chez mon parrain, on va manger une raclette. Bon, je vous embarquerai quand même plutôt demain parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien de fou. Voilà, j'ai une réponse avec moi. Je joue un peu, j'ai envie de jouer. Comme ça, je surveille les loulous en même temps. Et voilà, Catel vient de se lancer Hercule. Si, aujourd'hui, j'ai fait quoi? J'ai fait de la déco sur mon bureau. Voilà. Voilà ce que j'ai fait. Top, hein. Allez, à plus. Coucou tout le monde. On se retrouve maintenant. J'ai du monde à la maison. Ma famille. Et là, ça va être mission gâteau avec ma maman pour l'anniversaire de Christian demain. Et on est en train de se moquer de moi parce que je parle toute seule. Voilà. Voilà. Elle est en train de se moquer de moi parce que je parle toute seule. Oui, t'en feras ça à ton anniversaire, t'inquiète pas. La matinée va être productive pour une certaine partie de la famille. T'es à fond, là? Toi aussi, t'es à fond? Toi aussi, t'es à fond? Oui. Là-bas, ça bosse, du moins, ça geek. Et là, ça va cuisiner. Oh putain, j'ai fait un gros surfice. Les knops, tu sais que ça va être ton live, ça. Dans mon vlog. Les knops. Dodo. 4 générations, 3 générations en cuisine. 2 générations. 2. Non, 3. 3. 3. 3. 1, 2, 3. D'accord, ok. Ah oui. Pour mon bébé. Mais arrête, sister! Il va ressembler à rien ce vlog à cause de toi. Et en plus, vous savez quoi? C'est elle qui va filmer demain pour vous faire un vlog exprès anniversaire de Christian. Alors je vous préviens, ça risque d'être sympathique. Je me dédouane de toute responsabilité. Couleur, les racines. C'est par ici. Parce que là, ça commence à être. Tu pourras faire pareil. Catastrophe. Pour les biches, c'est pas valable. C'est chaud. Du boulot. Elle est devant. Mais non, mais pas moche. Je peux pas t'attendre à ramener chez vous toi un corps plus moche. Un corps plus moche. Tu veux pas que tata rende mes cheveux encore plus moches? Mais quoi, tata, sur tes cheveux? Mais une crème colorante. Pour colorer. Nous voilà, parti. Direction chez mon parrain pour une soirée raclette. Au top le régime depuis hier soir. Moi, je vous le dis, lundi au ratage serré. Mais bébé, Kak a voulu être face à la route pour discuter avec nous. Et Christian qui va être là. Et en fait, je suis dans la voiture de mon papa. Donc là, on attend à faire le plein. Et je squatte la voiture de mon papa. Papa, tu
marche pas. Ouais, là, c'est moi. Les soirées en famille finissent toujours avec des vidéos dossées. Ces vidéos ont... Ah, c'est moi. Ça. Quelle? Ça date de 94. Donc ouais, ça a 23 ans. Et après, c'est le petit montée de... C'est le petit redescendant avec le mec. Ouais. C'est écrit une patrie. Allez, c'est pas pour moi. Ça, c'était les mamans qui... Petit déj. Brunch. Parce qu'après, on s'attaque au gâteau. Et à la déco pour la version de Chris. Et en fait, ça va être elle qui va vlogger pour vous faire une journée exprès sur cette, son anniversaire. Et moi, là, aujourd'hui, je vais pas beaucoup vlogger. Tout simplement parce que j'ai pas envie de. Je vais profiter. Et aussi, comme ça, vous allez avoir un vlog exprès pour cette journée. Ouais. Donc, à mon avis, je ne reprendrai pas trop aujourd'hui la caméra. Voilà. Bonjour, monsieur. C'est qu'une main. Ah oui, c'est vrai. Allez, fin de journée. Fin de semaine.